Salut les ploucs, ça va? Je vous montre aujourd'hui une nouvelle technique. Alors promis, c'est pas putaclic. Quand je vous montre un truc, bah vous le savez que c'est pas putaclic. C'est une espèce de technique au niveau du son sur R6. C'est une dinguerie. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont au courant. En bidouillant un petit peu ma play au niveau des réglages, bah je me suis rendu compte d'un truc et je me suis dit, mais attends, ça change la vie de ouf. Sur R6 en ce moment, moi j'ai de gros problèmes de son. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais bidouiller des trucs et tout simplement, je vais trouver une solution. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Du premier coup en plus. Je tiens à vous dire que j'ai fait l'effort de m'habiller parce que les gars, qu'est-ce qui fait chaud? C'est que normalement je suis à poil. C'est vrai, vraiment. J'ai juste mis un truc en haut. En bas, j'ai mis un petit truc. Mais normalement, il n'y a rien du tout. Mais bon, sur YouTube, on sait jamais. Je vais vous montrer cette technique. N'oubliez pas de liker, c'est très important. On pourrait faire un record. Mais bon, c'est un peu compliqué. Parce que vous êtes des rats, des petites souris, des vilains rats. Bah, en vrai, si je vous dis 10 000 likes. Putain, on les faisait avant les 10 000 likes. Mais quand les vidéos, elles faisaient beaucoup plus de vues. Mais bon, comme R6, il y a un peu moins d'engouement. C'est normal que ça baisse. Mais si vous faites 10 000 likes, bah, franchement, je sais pas ce que je vous fais, mais je le fais. Non, ne pensez pas à ce que vous pensez. Je vous connais. Allez, je vous montre la technique. Je vous montre en premier les paramètres de ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, on va tester en classé. Et vous allez voir, c'est une dinguerie, hein. Vous allez me prendre pour un cheater. Vous allez dire, wesh, mais qu'est-ce qui oh, vous allez parler chinois. Bref, je vous montre les réglages. Donc, les mecs, vous prenez votre manette. On se retrouve sur l'écran principal. Alors, moi, je vous fais le tuto sur PS5. Parce que je suis sur PS5, bien sûr. Vous allez dans les paramètres. Hop, comme ceci. Vous allez dans le paramètre son. Le microphone, on s'en fiche. La sortie audio, c'est ce qui nous intéresse. Alors, attention, là, vous allez descendre. Au niveau des écouteurs, vous allez activer l'audio 3D. Et vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Je vous explique après plus en détail, mais quoi qu'il en soit, là il est désactivé, hop, vous l'activez, sortie vers les écouteurs, vous mettez tout audio, on s'en fiche, et là le truc le plus important, c'est régler le profil audio 3D, vous cliquez et en fait il va y avoir plein de trucs, vous avez le type 1, type 2, type 3, type 4 et type 5, moi comme vous le voyez, j'ai sélectionné le type 4, pourquoi le type 4, et bien parce qu'en fait les sons du type 4 vont vous donner l'information exacte, et bien par rapport à un adversaire, avec celui-ci vous allez être complètement cheaté, le moindre pas qu'il va faire, dès qu'il va bouger un tout petit peu, si vous avez un bon casque, vous allez l'entendre. Alors moi, mon casque, c'est celui-là, c'est un HyperX, et je peux vous dire que j'entends tout. Après, vous pouvez tester le type 1, 2, 3, 4, 5, et c'est vous qui voyez en fonction, tu vois. Mais moi, le type 4 est vraiment très bien. Et on va le tester en classe, et vous allez voir. Et pour ceux qui me demandent ça, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est des petits trucs que t'achètes à Action, et en gros, bah, ça permet à ton joystick d'être moins abîmé. C'est cadeau. Et vraiment, je ne vous mens pas, vous allez vraiment tout entendre. En tout cas, pour mon cas, c'est ce qui se passe. Alors pourquoi ça marcherait pas pour vous, je ne sais pas. Mais attention, il faut avoir quand même un bon casque. Si vous avez un casque qui coûte 1€, ne vous attendez pas à tout entendre, ce qui est un petit peu logique les gars. Mais en tout cas, cette solution que j'ai trouvée, je l'avais entendu. Rigolez pas, je l'ai vraiment entendu. Il monte. Il a sauté. Ici. Encore un. Oh, dommage! Avec le casque, j'entends tout. Oui, les gars, mon casque, il est juste en dessous. Et vous le voyez pas avec le Bitmoji. L'avantage, c'est que ça règle carrément tous les problèmes de son. Et même, ça les booste, le son. Je vous mens pas, c'est pas des bêtises. Après, c'est sur PS5. Je sais pas si sur PC et Xbox, vous avez l'audio 3D. Je pense que oui. Mais quoi qu'il en soit, activez-le. Moi, ça marche. Pourquoi ça marcherait pas pour vous? Ce qui est super intéressant, c'est que vous entendez le moindre mouvement. Et surtout, en fait, vous l'entendez de super loin. Je vais vous montrer tranquillou. Mais j'ai fait l'effort de m'habiller aujourd'hui. Parce que d'habitude, je joue tout nu. S'il vous plaît, faites l'effort de liker. Soyez des bons. Ah ouais, mais avec la canicule en ce moment. Oh, je sais pas comment on fait pour jouer les gars. C'est affreux comme il fait chaud. C'est pour ça que je préfère tellement l'hiver. T'es mal, j'entends qu'il y a un gars hein. Regarde, j'entends tout. Je l'ai entendu à peine bouger. Il a bougé un orteil. Je vous jure que je l'ai entendu. J'entends tout. Oh, il a le bouclier de montagne Black Ice. Oh, le fumier. Non, je veux l'admirer, laisse-moi l'admirer. Ah, oh le bâtard, la chatte qu'il a. Trop classe. Tu peux me le donner. Viens, on échange gros. Oh, je suis content pour lui. Qu'est-ce que je kifferais l'avoir. Putain. Oh, c'est une masterclass. C'est trop simple. Chez où ils sont de partout. Ça fait plaisir d'avoir des bugs de son qui disparaissent. T'as le fumier avec son montagne. Qu'est-ce que je donnerais pas pour l'avoir? Bon, peut-être mon cul, je le donnerais pas. Mais il y a trop de chance. Et encore, je vous ai pas montré la plus grande puissance de ce cheat. Enfin, j'appelle ça un cheat. Parce que ça fera des vues sur la vidéo. Mais c'est pas un cheat, les gars. C'est un truc complètement legit. C'est un paramètre de votre console. Donc bon, si c'est pas legit, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais la plus grosse puissance de ce machin, je vais vous la montrer après. Parce que là, je crois pas que je vais avoir le temps. Faut un petit peu de préparation, mais vous allez kiffer. Là, le plus important, c'est de jouer au son, en fait. Vous avancez tout doucement. Et vous tendez en fait l'oreille. Et je vous jure que vous avez des free kills. Là tu vois à proximité il y en a un. Ouais il est là. Voilà. C'est un scandale. Sachez que sans ce paramètre, je l'aurais pas entendu le mec. C'est une masterclass. J'ai l'impression que je suis trop fort. Alors vous en faites pas, c'est une impression. Là il y en a un proxy. Il est vraiment à proxy, mais je sais pas exactement où. Il est pas là-bas je crois. Même je dirais là-bas. Ouais il est là. Je vais devenir le meilleur joueur de la play. Et l'autre il est là-bas je crois. Je dis je crois parce que j'ai pas de certitude. Ou alors il se promène en haut plutôt. Ouais il est pari. Ouais il est là en fait. Je vous jure qu'il est là. Et là il venait de descendre. Bien joué au collègue. Mais j'entends tout.
Mais là, carrément, pulse, il sert à rien. J'allais dire, je prends pulse. Mais ça sert à rien de le prendre. Là, en fait, faut prendre un truc agressif, tu vois. Et là, voilà. Et vous allez voir le carnage. Je vais être le meilleur roomer du jeu. Et en fait, quand certains ont cliqué sur cette vidéo, je suis sûr que vous avez dû vous dire, ouais, bah allez, une vidéo putaclic pour faire des vues, machin. Mais je vous mens pas. Regarde, est-ce que je vous mens? Non, j'entends tout. Et encore, dites-vous que c'est rien, ça. C'est pas le truc le plus cheaté avec ce bug. Ah non, non, non. Pour vous dire, quand une caméra elle court, vous arriverez quand même à l'entendre. Même une knock. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, knock, elle a une compétence. C'est pour être invisible aux caméras, d'accord, ok. Mais elle fait aussi moins de bruit quand elle court. Oh là-bas, je l'avais bien entendu. Oh non. On se rattrape avec celui-là ou il est au-dessus? Ah, le mec qui joue avec moi, là, il a un truc bizarre. Vous avez vu le bruit de son arme? Ça fait 4-0, les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Après, si je peux vous citer seulement un défaut, pour n'en citer qu'un seul, parce que pour le moment, j'en vois qu'un, c'est que le son dans votre oreille, il est vachement fort. Il est fort, mais vous le situez très bien. Mais par exemple, les bruits de balles, ah, ça arrache l'oreille. Mais c'est le prix à payer. Et si je vous dis que c'est rentré sur le site, vous me croyez ou pas? Parce que réellement, c'est rentré. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est rentré. Ouais, il y a Tonton Maestro. Ouais, il y en a un qui est caché là-bas, il y en a un qui est sur site. Il y en a deux en fait. Ok, les gars. C'est le moment de prouver que ça marche. Est-ce que vous me croyez? Il est en train de courir là. Je vais devenir le dieu de Rembo. Je vous jure, on dirait que j'ai un Wallach. Je me sens trop puissant, je me sens invulnérable. Et dites-vous que je joue en solo, j'ai pas d'infos de coéquipier. Donc les gars, quand je vais faire des roads tout diamant, ça va être trop simple. Non mais c'est une dinguerie. J'espère un truc, c'est que PlayStation, bah ils vont jamais patcher leur audio 3D. Parce que sincèrement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Ils ont fait une mise à jour récemment. Et je crois justement que c'est par rapport à ça. Pour l'amplifier, etc. Donc c'est une tuerie. J'espère que sur Xbox et PC, vous avez ça. Parce que honnêtement, ça change la vie, en tout cas sur Rainbow Six. Là, il y a un DMR, il tire. Il est du côté de la voiture brûlée. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous devez vous dire, mais comment tu sais? Bah parce que je l'entends en fait. J'ai jamais eu autant de bonnes infos sur ce jeu. Et ça fait plaisir, c'est assez rare d'ailleurs. C'est vraiment perturbant et c'est bluffant. Il est extérieur à droite, il est juste derrière le mur là-bas. Il y en a un au top qui tire comme un sgag, il fait la trappe. Ok. Oh, après quand le shoot est mauvais, on n'est plus rien. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, on se rattrape. Mais l'autre, il est tombé sur site, hein. Je crois qu'il est là. Bien sûr, je suis on fire, qui peut m'arrêter? Absolument personne. Va-t'en mettre un deuxième 4-0 d'affilée? Spoiler, oui. Ça y est, je suis de retour à mon prime. Je vais même plus viser le diamant, je vais viser le champion. On était champignons les gars, mais c'est fini ça maintenant. Non, mais plus sérieusement, activez cet audio 3D. C'est la meilleure chose qui va vous arriver. Oh. Bon après le shoot, ça ne s'achète pas. Encore ça va. Ça va très bien. J'ai jamais eu autant de chance sur ce jeu. À qui le tour? Ils doivent péter un câble en face, ils doivent se dire wesh, mais il a un Wallach. Non, non, j'ai juste, on va dire des bonnes oreilles. Oh, le dernier il est là. Je le savais. Le 4-0 qui se profile à l'horizon. H pour taper le plus gros push extrême. Wesh, qu'est-ce qu'il a fait lui? Oh bah non, je peux pas pusher moi. Les handicapés qui se déquent. Je comprendrai jamais dans la tête du mec qu'est-ce qui se passe. Genre, qu'est-ce qui déraille, enfin. Non mais wesh. Bienvenue sur Rainbow Six Siege. Eh bah deuxième 4-0, d'affilée bien sûr. Non mais c'est vrai que c'est carrément cheaté. Sincèrement, j'espère qu'ils vont pas le patcher la play, hein. Bah après ça m'étonnerait. Récemment ils ont fait une mise à jour justement pour améliorer le son. Et ils ont vraiment bien fait. Parce que sur un jeu comme R6, c'est incroyable. Je vais taper des push avec H. Oh, vous êtes pas prêts. Je vais avoir toutes les infos nécessaires. Olé, le bâtard. Allez, on a 8 HP, on va pas faire le fou. On va surtout jouer au son. Ok, il y a un gars blessé, très bien. Ce qu'on lui a mis, c'est d'une violence inouïe. On va leur faire du sale aujourd'hui. Mais c'est déjà ce qu'on est en train de faire en fait. Vas-y, il veut pas me piquer. Les capcans les gars, on fait gaffe. Hop, c'est bon, on y go. Non, la caméra. J'ai 15 HP, je vais pas aller très loin. Allez, tourne-toi. Je sais que t'es timide. Putain, il casse les couilles. Regarde, il est content. Regarde, c'est ça son gameplay les gars. Bah écoute, amuse-toi hein. L'autre il est sur site. Ouais, je l'entends. Let's go! De toute manière, les mecs, sur R6, il y a, j'allais dire 3, mais au final 2, deux choses qui sont super importantes. C'est le fait de connaître une carte et le fait surtout d'avoir du bon son. Le shoot, c'est secondaire en vrai de vrai. Si vous avez de bonnes infos à transmettre et que vous connaissez une carte, je l'avais entendu! La vue de ma mère, je l'ai entendu. C'est incroyablement incroyable. Ça me fait chier ces petites alarmes. Oh, je t'insulte pas parce que je suis d'humeur gentille aujourd'hui, mais c'est chiant quoi. Y'a un mec là, non? Ah non, c'est effus ce que j'ai entendu. Incroyable. La tête de moi, je l'entends là-bas. Oh, les gars, je suis on fire. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à Rainbow Six. Et encore, pour le coup, c'est Sony là qui en fait une mise à jour. Et c'est la meilleure qu'ils aient faite, en tout cas, depuis très longtemps. Je sais pas si ça se sent, mais je suis tellement content de jouer à Rainbow. Je trouve du plaisir que j'avais un peu perdu avant à cause des bugs de son. Mais là, j'ai l'impression que je suis invincible. C'est un plaisir de jouer au son. Un petit capcan. Ok, il est sur site, on le sait. Oh, 2v5, les gars, je me sens confiant. Il y a un gars, il monte ici. Il monte ou alors, en tout cas, il est en dessous. Donc, on fera gaffe parce qu'on sait qu'il y a un gars dans le bac. On lui a mis un joli terme. Là-bas. Let's go, j'ai peur du bac maintenant. Ce bac me fait flipper. Et je l'entends au bac en plus.
Ah non! C'est dégueulasse, il aurait dû mourir. Oh, je me suis fait chier dessus. Il aurait dû mourir, les gars, j'ai tiré où? J'ai tiré dans son pouce? Ah, je me serais retrouvé là en 1v1, je suis dégoûté. Bah, tu sais quoi, c'est un mal pour un bien, on va récupérer le diffuseur. Et je sais pas si vous avez entendu, il y a des docs là qui sont en train d'être envoyés. Le Jäger, il va être full HP, je suis dégoûté. Oh, il y en a un qui me rush. Les deux! Mais là, oh, faut prendre, les gars! Oh, ils prennent rien, j'aurais jamais le temps. Je sais pas pourquoi je suis allé faire le tour là-bas, j'aurais pas le temps. Bah ouais, j'ai 8 secondes, c'est mort. Et allez, j'ai un allié qui quitte en plus. Bah ouais, frérot, t'as raison, quitte. Putain, je suis bête d'être passé là. Ah, on m'en fout, j'ai eu Jäger. Putain, dommage. Et vous savez quoi, même si on est en 4v5, je me sens tellement confiant qu'on va gagner. Non mais c'est, ça me fait rarement ça, ce ressenti de confiance. Et désolé de vous le répéter depuis tout à l'heure, que le son il est incroyable, mais c'est la pure vérité. Il a jamais été comme ça, 3v5. Je suis un peu moins confiant. Ah, c'est rentré. Mais gros. Ah, un blitz, hein, y a un blitz. On se replie. Oh, le recul de l'arme d'Ella, faut pas négliger ça, hein. C'est incroyable. Il y a le blitz, les gars, et le montagne, c'est les deux derniers. Ça, je la récupère. Comme ça, quand le frérot est rentré, il se la prend. Ah non, mais c'est pas blitz. C'est un maverick des familles. Je l'entends, il est juste contact. Tranquille, il va me piquer. Mais c'est magique, ce son. Il arrive dans pas longtemps, il est juste au contact, et je le pique. Quand il se barre, c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression que j'ai un wallack. Ils vont penser qu'en face, ils vont me signaler. Là, il va planter lui. Et mon frérot, tu es mort. C'est une masterclass, les gars. Moi, en vrai, il y a un truc qui me fait de la peine. Enfin, de la peine. Bon, pas vraiment. Mais c'est que quand vous comparez R6 il y a 2 ans, c'est pour ça, en début de vidéo, je vous en parlais un petit peu par rapport au like et tout. Qu'il y a 2 ans, on faisait des vidéos, il y a 100 000 vues et tout. Enfin, c'était énorme, tu vois, j'étais à mon prime. Et en fait, bah, avec les choix d'Ubisoft, comme ils ont laissé un peu le jeu, tu vois, à l'abandon, qu'ils ont fait un peu n'importe quoi, bah, c'est vrai que l'engouement que les gens avaient sur R6, bah, il est un petit peu parti en fumée. Ce qui est logique, attention, je remets pas en question le raisonnement des gens, de comment ils font. Bah, non, c'est logique, en vrai, le jeu, il a été un peu abandonné, donc forcément, certains sont partis. Mais en vrai, c'est dommage, parce que les techniques que je vous montre là, les anciens, bah, qui jouent plus R6, ils kifferaient en vrai de vrai. Parce que c'est une masterclass, les gars. Vraiment. Il y en a un qui est en train de droner, il y a Namaru aussi. Ok, il m'a vu. Il y en a un qui est narguillé. Hop là, il est là-bas, je l'entends. Oh, hey, let's go. Oh, quoi? Il est à terre ou pas? Bien sûr, mes adversaires, ils peuvent rien faire. Au niveau de la guitare, il y en a un qui est rentré, je crois. C'est le montagne, ouais, bien sûr, il est encore là. C'est quoi ça? Oh, le mur, il pète. Oh, c'est un hologramme. Salut. C'est bon, tu tiens l'objet, Frost to Net? Je vais essayer de gérer le montagne et le thermite et la Yana. Ça fait un peu beaucoup de monde à gérer, c'est vrai. Oh, je suis dans la merde, la bonne merde. On aime ça. Ah, j'arrive pas. Il joue bien la montagne. 2v3, ça peut le faire, ça peut le faire. Putain, il va me bloquer. T'as pas de vie ou quoi? Tu te fais chier dans la vie? Mais c'est ça ton gameplay, gros? Bien joué. J'ai fait le malin, je suis tombé dans le ravin. J'ai rarement pris autant de plaisir sur R6 depuis très longtemps. J'ai l'impression enfin de contrôler mon jeu. Je sais pas si vous voyez le ressenti que je veux dire, mais genre, en fait, de simplement avoir de la maîtrise sur mes classés, de pas me dire que je vais être dépendant d'un bug ou n'importe quoi. Non, là, c'est vraiment une tuerie, en fait. J'ai l'impression de rejouer à l'ancien Rainbow Six. Bon, ok, il y a les pièges et tout, c'est pas ça le problème. Mais le fait que là, il y ait pas de bug, les gars, enfin, de son en tout cas. C'est quoi ça, c'est Flores? Putain, il y a encore le montagne. Je l'entends, il est là, ouais, bien sûr. Ouh, on a fait lui mettre. Ouh, encore. Il joue bien ce montagne, les gars. Il va me décaler. Oh, let's go! T'as mal couvert ton pote. Couloir, il y en a un. Attention, Frost. Enfin, c'est pas Frost, c'est Bandit, pardon. Oh, j'entends tout. Je peux donner trop d'informations. C'est incroyable. Ah, ça va, il joue bien ce montagne derrière lui. Il y en a un, bien sûr. Oh, je me sens intuable. Je me sens trop fort. Alors que je suis la pire boost sur ce jeu. S'il rentre, il se prend un Frost. Donc en vrai, je te le déconseille. Oh, mais il me fait chier ce montagne. Il est de partout. Oh, attention. Il a pris un gul, hein. Bien sûr. Ah, dommage. Le reste, il est down, il est à terre. Il va logiquement aller le res. Il le res. Let's go! Il est mort ou pas? Oui! Est-ce que vous êtes satisfait de mon niveau de jeu ou pas? Sincèrement, je vais revenir à mon prime. Et je vous parle pas d'Amazon. L'autre, j'ai aucune info par contre, oui, là, je n'entends pas. Ça veut dire qu'il est pas proxy du BP, donc tant mieux, on a gagné. Et ça serait une troisième victoire d'affilée? Mais bien évidemment, les gars. Là, je suis en train de vous montrer vraiment quand on tryhard et quand il n'y a pas de bug comment on peut jouer. C'est de masterclass. Eh, les gars, on est en 3v5. Je peux vous dire, je suis pas inquiété. Non, en vrai, c'est même pas pour vous troller et vous faire genre, ouais, je suis trop fort. Je me sens tellement serein, il y en a un qui est allongé là. Imaginez, hein, dites-vous que je joue en solo. Donc imaginez si je jouais en team, les gars. Toutes les infos que je pourrais donner, c'est juste en fait incroyable ce qui se passe. Le jeu est révolutionné, tout ça en fait, grâce à l'amélioration d'un bug sonore et d'un paramètre surtout activé. Et franchement, c'est incroyable. Il y en a un qui monte, il est là. Je suis devenu un dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un putain de tueur à gage. Il y en a un qui est toilette. Ou alors il est reparti sur Objo, ouais, c'est ça. Oh, mais il meurt pas! Monsieur, il faut mourir! Oh, oula! Je vais faire la full team, hein! J'ai juré que je vais faire la full team! S'il te plaît, monsieur Ice, laisse-moi la full team parce qu'elle va être très belle. Elle est pas belle, elle est très 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 belle! Je vous ai dit quoi, les gars? On va gagner! Mais...
J'ai l'impression que je découvre un autre Rainbow Six. J'ai envie de pleurer de joie. Je peux rejouer ma hache, taper des pushs. Je vais aller me branler en fait là. Enfin, s'ils doivent se dire, mais wesh, le mec c'est un cheater, il sait où on est. Non, les gars, non, je vous rassure. Et vous aussi, vous pouvez devenir comme ça, un monstre. Parce que là, je peux vous le dire, je suis en train de devenir un monstre. Mais l'avantage, c'est que tout le monde peut le devenir simplement en activant l'audio 3D et en mettant tout simplement, eh bien, l'option 4. C'est vraiment tout simple. De toute façon, je pouvais pas mieux vous montrer pour cette vidéo comment ça se passe. Je pouvais pas mieux faire. Et durant la prochaine saison, j'ai hâte de retryharder le diamant. Bon, là, je l'ai déjà eu, voilà. Mais j'ai hâte de retryharder avec ce nouveau son et de vous montrer en fait que, ouais, je peux le faire. Non, mais je suis trop content. Ah, il y a un gars qui est derrière le mur jaune. Drop shot. Et ça marche. On est on fire. Là-bas. Oh, Ice, il pouvait ouvrir le mur. En plus, il y avait Thatcher. Pour une fois qu'il est pas ban. Chier, on aurait pu gagner facilement. Touche pas à mon collègue, mon gars. Celui qui touche à mon collègue, il va en subir les conséquences. Est-ce qu'on est parti pour une deuxième full team ou pas? Je sais pas. J'en entends un, mais il est du côté gauche, je crois. Il me semble qu'il est là-bas. Ouais, tu vois, c'est le bandit. Je vais le tuer, hein. C'est trop simple. Deuxième full team d'affilée, les gars. Je suis en train de me régaler, je suis en train de les poutrer. Il y a un mec en face, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, you're cheating? No, I'm not cheating. Mais en vrai, il m'a pas accusé, il m'a mis you're cheating avec un petit point d'interrogation. Non, il y a pas de cheating ici. C'est bien, tu sais, parce qu'il pose la question. On sait jamais. Ça se pourrait que je cheat. Enfin, sur console, je sais pas si on peut cheater. Et ne me sortez pas que le, comment ça s'appelle, le strict pack, là, je sais pas quoi. Que c'est du cheat, hein. Parce que sur R6, il y a tellement peu de recul. Regarde, mon gars, regarde, frérot. Que le strict pack, parce qu'en gros, c'est pour ça. Donc le strict pack, tu peux tellement le contrer facilement. En fait, t'as un strict pack. Il est déjà incorporé sur le jeu. Regarde gros. Et moi j'ai pas de strict pack, j'ai une mallette normale. Là, parce que je vais vous dire, c'est que c'est pas considéré comme du cheat, hein. Un cheat, c'est quand tu vois à travers les murs, quand tu mets des têtes instantes. Ça, d'accord, c'est un cheat, ok. Mais sur play, non, les cheats, les gars, soyez honnêtes, soyez francs. Ça n'existe pas. Enfin, un peu de bon sens, voyons. Il y a un monsieur qui court, alors je sais pas exactement où pour le coup, mais il est à côté. Peut-être à gauche, ou peut-être pas. Ah, enflure. S'il pouvait y avoir un cheat pour éviter de se prendre des capcans, je suis preneur. Oh, back. Oh le pauvre, il va péter un plomb. Il va péter un boulon. Oh non, bah non, je regardais le capcan. Oh, il m'a mis un de ses one tap. On est en 3v5, on dirait pas, hein. Bon après c'est vrai, ok, je fais tous les kills. Arrêtez de fermer les portes les gars, ça sert à rien, c'est plus emmerdant qu'autre chose. Non. Quoi? Je suis derrière le tonneau. Mais quoi? Après, dites-vous que d'habitude, là, quand c'est l'été, moi, je joue tout nu, les gars. Tout nu. J'ai mis la facecam pour vous avec ce petit pull. Enfin, c'est pas un pull, c'est un t-shirt. Enfin, non, même, c'est un polo. C'est pour vous faire plaisir, hein. Donc, vous avez intérêt de mettre des likes. Putain, mon record de likes, je crois que c'est 20 000, je crois. C'est énorme, en vrai, 20 000. Allez, viens, mon cochon, je t'entends courir, viens. Je vais te mettre un de ces coups de... Ah, bah, j'ai pas de pompe, très bien. Fallait pas piquer. Incroyablement incroyable. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à aller fermer ces barricades là? Putain! Prends un castle si tu veux fermer les barricades, je sais pas. Mais t'as fini de me suivre? Laisse-moi tranquille! Avec ton gros corps qui fait du bruit, arrête! Putain, je suis en train de jouer au son, il y a un gros sac qui me suit, mais oh! Dégage! Oh, mais les gars, mais il est incroyable! T'as écho, dégage! Non, voilà, j'allais l'insulter, mais ça n'en vaut pas la peine. Bah ouais, t'as écho, gros, laisse-moi en roaming! Voilà! J'ai juré, j'entends un mec, je pensais que c'était lui du coup. De toute façon, les alliés sur ce jeu, ça sert à rien, les gars, à rien. Allez, gère ton 1v1, rends-toi utile. Allez, fais ton kill, rends-toi utile, tu l'as vu. Allez. Oh là 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 là. Quel shoot de qualité. Oh. Bah grâce à lui, on part en prolongue. Merci Echo, c'est gentil. Ah, va te mettre avec tes Echo, t'as pris des drones, va droner, tranquille. Laisse-moi faire tous les kills, et ça va bien se passer. Infuse. Putain, mais pourquoi il me colle, les gars? Comme j'entends tous les sons, eh bien en gros, c'est hyper désagréable. Là, non, là. Il est pas à terre, hein. Il est mort, c'est bon. Comme ils se mettent à me coller, ben en fait, moi, j'ai l'impression que tout simplement, c'est un adversaire. Mais regarde, ils sont partout. Ouh, putain. Désolé, j'ai eu un excès de rage. Elle est en rappel, non? Ouais, elle est là. Il me semble qu'elle est là-haut. Oh, je l'avais. Putain, pourquoi j'ai sauté? Je suis idiot. Oh, yes, du 1v1. Je pourrais être serein, enfin. Oh, ouais, non, mais s'il y a des Français, désolé, les abonnés, hein. S'il y a des Français qui tombent avec moi en classé, oh, je vous jure, pitié, ne me collez pas. Oh, y a rien de plus chiant que ça. L'autre, il est en rappel, hein. Il rentre. Pré-fire et c'est bon. C'est cheaté. Bah, les gars, si vous m'avez pas cru en début de vidéo. Par rapport à cette nouvelle astuce, ce nouveau paramètre, ben, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai fait changer d'avis, parce que j'ai jamais fait autant de carnage. J'espère que ça sera jamais patché. C'est un hologramme surtout, hein. Bon, clutch 1v3, est-ce qu'on va le faire? En vrai, je suis serein. Un peu trop, même, d'ailleurs. Y'a un gars, il est là-bas. Je sais pas exactement s'il est couloir ou BP. Il a dû retourner au niveau du BP. Je l'entends. Ouais, il est là-bas. On va se mettre une clé mort là. On va s'en mettre une ici. Et là, on est bien. Faut juste pas que je me prenne un travers, les gars, parce que c'est risqué ce que je fais, mais j'ai pas trop le choix de planter, en vrai, parce que là, ils sont trois. Je suis tout seul. Non, j'ai tout niqué. Ouh. Je l'avais entendu, les gars. Non. Truc team block. Putain, mais ce jeu, il y a tout pour te faire rager, en fait. Sur ce jeu, il y a tout pour faire rager, c'est incroyable. Une vieille rotation qui te bloque. Bah, normalement, c'est gagné, les frères. Derrière moi.
Bah j'espère que vous aurez passé un putain de bon moment et je vous recommande à tous d'activer en fait ce paramètre tout simplement. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les plouks.